Chers amis, salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode des conseils de lecture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre majeure de l'un des pères du panafricanisme. En effet, il s'agit de Wilmot Edward Blyden, ou Blyden pour les anglophones. En 1887, il a commis un ouvrage nommé Christianity, Islam and the Negro Race, un ouvrage majeur et classique du panafricanisme. Mais avant de débuter, si vous aimez ce que nous faisons et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes nos vidéos. Laissez un pouce bleu et partagez massivement afin que la vidéo soit connue du plus grand nombre et qu'il y ait un engouement pour ce type d'ouvrage. Ce livre est majeur à comprendre et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de parler de l'ouvrage, nous allons d'abord parler de l'auteur. Wilmot Blyden a vécu entre 1832 et 1912. Pour avoir des repères historiques, pour vous resituer dans l'histoire, 1832, c'est l'année de naissance de Jules Ferry et de Gustave Eiffel, par exemple, en France. Gustave Eiffel, celui qui a conçu la tour Eiffel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 1830? Dans les années 1830, il faut savoir que c'est le début du machinisme en Europe. Et dans les années 1837, c'est le début de l'ère victorienne en Europe. Vous savez, l'ère victorienne, avec toute l'œuvre de Charles Dickens qui décrit cette époque-là. Sur le plan politique, il faut savoir que 1832, il y a eu une guerre majeure entre les natifs amérindiens et les Américains anglo-saxons qui étendaient leur territoire en Amérique du Nord. Cette guerre est connue sous le nom de Black Hawk War, la guerre du Faucon Noir. Faucon Noir était un chef amérindien qui résistait dans la vallée du Mississippi. À l'échelle de la France, par exemple, 1830, vous savez en effet que l'empire de Napoléon s'est effondré dans les années 1815, qu'il y a eu une première restauration, puis une deuxième restauration, et en 1830, il y a donc eu ce qu'on appelle la monarchie de juillet. On est donc dans cette situation en France. Il faut savoir que c'est quelques années plus tôt, en 1827, que la France a imposé un impôt à payer de la part d'Haïti vers la France pour dédommager les anciens esclavagistes sous menace de blocus. Pour continuer dans nos repères historiques, Karl Marx, par exemple, un exemple, est né en 1818. Donc en 1832, il avait à peu près 14 ans. Léon Tolstoï, qui est un auteur que j'ai beaucoup lu il y a quelques années, et qui a écrit son fameux roman La guerre et la paix, ou d'autres tels que Enfance, adolescence et jeunesse, est né en 1828, soit 4 ans avant Blyden. Et j'oubliais trois événements majeurs qui se sont déroulés au début des années 1830. Il s'agit de trois révoltes d'esclaves, la révolte de Nat Turner en 1831 aux États-Unis, dans l'État de Virginie, la Christmas Rebellion qui s'est déroulée en Jamaïque entre 1831 et 1832, et enfin la révolte des esclaves malais ou musulmans qui s'est déroulée à Bahia au Brésil en 1835. Il est donc né en 1832 à Saint-Thomas, qui était une colonie esclavagiste danoise. Le Danemark a été, si je ne me trompe, le premier pays à abolir l'esclavage dès 1792. Blyden est donc né sur Saint-Thomas de parents libres, et ses parents étaient des chrétiens, protestants ou presbytériens. Alors, il disparaît en 1912. En termes de référence historique, pour avoir quelques repères, il faut savoir que 1912, c'est 2 ans avant la Première Guerre mondiale. Mandela, par exemple, il est né en 1918. Kwame Nkrumah, si je ne me trompe, est né en 1909. Et Cheronta Diop, par exemple, est né en 1924. Donc, pour avoir les repères historiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que, étant né en 1832, Blyden est né plus de 50 ans avant Marcus Garvey, plus de 30 ans avant Dubois, Benito Sylvain ou Henry Sylvester Williams, et plus de 12 ans avant Anténor Firmin. C'est donc vraiment un des pères du panafricanisme. Alors, parlons rapidement de l'auteur, Wilmot Blyden. Étant né donc à Saint-Thomas en 1832, de parents protestants, de parents chrétiens protestants ou presbytériens, dans son adolescence, à 17 ans à peu près, il a rencontré un révérend ou un pasteur blanc à Saint-Thomas. Et ce pasteur, étant convaincu du potentiel de Blyden, l'envoie aux États-Unis, accompagné de sa femme, de la femme du révérend, afin de faire des études supérieures de théologie, pour devenir révérend ou pasteur à son tour. Arrivé aux États-Unis, Blyden est recalé à plusieurs reprises, et ne peut donc pas s'inscrire à l'université pour continuer ses études de théologie. Il se retrouve donc dans une situation où il ne peut pas faire ce qu'il désire faire. Et à ce moment, dans les années 1850, il a donc 18 ans, il rencontre des membres de l'American Colonization Society. Nous en avons parlé dans l'un des épisodes précédents, qui était une association qui avait décidé de rapatrier les Africains, les Noirs, esclaves, vers l'Afrique.
en implantant une colonie au lieu du Liberia aujourd'hui. Il rencontre donc les dirigeants de cette association et il se convainc que son destin, son avenir en tant qu'intellectuel, en tant que théologien, en tant que chrétien, est d'aller en Afrique et de christianiser et civiliser les Africains du continent, les natifs du continent. Et nous allons le voir tout à l'heure dans son ouvrage. C'est donc comme ça que Blidden est arrivé en Afrique, en 1850, à 18 ans. Cet ouvrage est écrit en 1887, il avait donc plus de 55 ans. On peut donc dire que c'est un ouvrage écrit par un homme mûr, un homme mature, qui sait ce qu'il dit et qui a un certain vécu. Il faut savoir qu'entre 1850 et 1887, Blidden, il a fait beaucoup de choses. Il s'est baladé en Afrique entre les années 1850 et les années 1887. C'est une période phare, parce que nous l'avons vu dans les épisodes précédents, 1850 à 1887, c'est le début de l'accélération du processus de colonisation, véritablement, de pénétration des pays occidentaux à l'intérieur de l'Afrique. Et nous avons, avec Blidden et son témoignage, notamment dans ce livre, un témoignage palpable de cette époque, de ce qui s'est passé. Et il est donc important de lire cet ouvrage si on veut avoir le point de vue d'un noir africain sur ce qui se passait à cette époque-là. Entre 1850 donc et 1887, il faut savoir que Blidden il a fait plusieurs métiers. Il a été journaliste pendant presque une dizaine d'années au Liberia et au Sierra Leone. Il a scruté la région, il s'est baladé notamment dans les régions Peul, et il dit pas mal dans son ouvrage. Il s'est également baladé dans les différentes tribus du golfe du Bénin. Et après son travail de journaliste, il a été professeur à l'université du Liberia, puis même directeur de l'université. Ensuite, il a été vice-président de l'American Colonization Society et il a même été candidat à la présidence du Liberia en 1887. C'était donc un personnage illustre du Liberia. Il faut savoir que durant toute cette époque, il entretenait des relations épistolaires ou des relations de courrier avec des personnages éminents de cette époque, notamment Gladstone, qui deviendra premier ministre de la Grande-Bretagne, ou encore Charles Dickens, celui qui a écrit Oliver Twist et qui décrit l'époque victorienne en Angleterre. C'est donc un personnage phare de son époque qui a analysé la société, qui a observé, qui est en position d'observer, d'analyser la société, et son point de vue est donc intéressant à entendre, du moins à comprendre. Venons-en donc à cet ouvrage, Christianity, Islam and the Negro Race. Alors, c'est un très gros ouvrage écrit en anglais, je n'ai trouvé que cette édition en anglais. Si vous connaissez d'autres éditions en français ou dans d'autres langues, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. C'est donc un très gros ouvrage que voici, qui fait 373 pages sur 15 chapitres. C'est donc un très gros ouvrage et nous voulons pas faire les choses en dilettante. J'ai donc décidé de séparer ce conseil de lecture en deux épisodes. Le premier épisode que voici, nous parlerons des 7 premiers chapitres. Et le deuxième épisode, nous parlerons des 8 derniers chapitres, donc du chapitre 8 au chapitre 15. C'est parti pour le début de notre conseil de lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre a fait l'objet de quelques critiques, bien évidemment, dont les plus connues aujourd'hui que je peux vous présenter sont les critiques dans ce livre, La naissance du panafricanisme, où l'auteur du livre évoque Blidden et les quelques points d'ombre dans son livre. Et également, l'une des critiques principales de l'œuvre de Wilmot Blidden est dans ce livre, The Invention of Africa, de M. Boudimbe, qui est un professeur aux États-Unis. Et ce qui est important à savoir, c'est que ces deux livres sont des livres contemporains. La naissance du panafricanisme a été écrit en 2000, et le livre du professeur Boudimbe a été écrit en 1988. Ce sont donc des livres récents à bien distinguer, et ce sont donc des discours historiographiques, c'est de l'analyse historiographique, à distinguer de l'œuvre de Blidden qui est une œuvre d'époque. Blidden a écrit son livre en 1887, il décrit une société dans laquelle il a vécu, contrairement à ces critiques qui écrivent des livres à la fin du XXe siècle. Nous allons donc commencer à aller en profondeur dans cet ouvrage. Commençons avec le chapitre 1. Alors, dans le chapitre 1, l'auteur, Wilmot Blidden, montre donc sa fascination et l'intérêt qu'il porte sur l'islam. En effet, pour Blidden, il y a une hiérarchie dans les sociétés, en tout cas dans les sociétés africaines. Pour Blidden, il y a en bas
les tribus natives, les natifs d'Afrique, qui sont des païens, d'après lui, pagan natives, qu'il les appelle. Au deuxième niveau, il y a les noirs musulmans, les noirs de l'islam, et au niveau le plus haut, il y a les noirs chrétiens. Il considère que les noirs islamisés et les noirs chrétiens sont des noirs qui sont rentrés dans le processus de civilisation. Et il est on ne peut plus clair sur ces points. Contrairement aux noirs qui sont restés dans des tribus, qui sont des natifs de tribus, qui n'ont pas atteint les mêmes niveaux de civilisation. Ce sont les Africains convertis à l'islam et les colons nègres des pays chrétiens qui ont, jusqu'à présent, fait le plus pour l'avancée permanente de la civilisation en Afrique équatoriale. Et ce sont eux qui me semblent être les seuls capables et efficaces pour le travail de régénération africaine. L'islam, ou le mahométisme, par ses formes de culte simples et rigides, par sa littérature, sa politique, sa société organisée, ses activités industrielles et commerciales, remplace rapidement un paganisme pernicieux. Le nègre exilé de l'hémisphère occidental, au contraire, malgré l'esclavage, malgré les préjugés amers dont il a été victime, a subi des influences qui lui ont donné les éléments d'une civilisation plus noble. La graine d'une vie spirituelle, intellectuelle, industrielle a été plantée dans son sein, qui, quand il sera transféré au pays de ses pères, grandira en beauté, se développera en fleurs et se développera en fruits que le monde sera heureux d'accueillir. Il faut savoir que, contrairement à ce que beaucoup essaient de faire croire dans diverses vidéos, il faut savoir que Blidden était un chrétien fervent, fanatique même, certains diront. Et nous le verrons dans le chapitre d'après. Pour Blidden, l'islam en Afrique est un point d'étape qui a permis de cristalliser certaines tribus et de passer à des échelles supérieures, en Afrique de l'Ouest notamment. Et il considère par exemple que toute la région islamisée, la région interne de l'Afrique de l'Ouest, islamisée, vous savez, au sud du Sahara et autour du Mali, il considère que cette région est la région où on trouve les Noirs les plus structurés. Contrairement aux tribus du sud, le long des côtes, qui sont, d'après lui, des tribus qui sont moins civilisées et qui sont, pour certains, dégénérées même, qu'il utilise comme terme. Pour Blidden, donc, étant chrétien, il considère que le christianisme, en termes de dogme, est supérieur à l'islam. Mais cependant, pour des raisons historiques, il considère que les Noirs musulmans sont humainement, intellectuellement et même en capacité d'action supérieure aux Noirs chrétiens. Pourquoi ? Parce que d'après lui, l'islam, après avoir décrit bien évidemment l'arrivée de l'islam en Afrique, il estime que l'islam est arrivé en Afrique par le commerce et l'éducation par des missionnaires qui apprenaient les gens à lire. Contrairement au christianisme qui a rencontré les Africains dans un contexte de traite négrière et d'esclavage. Les Noirs musulmans, donc, d'après lui, seraient supérieurs en termes de capacité d'action et capacité de mouvement. Et d'ailleurs, il prend un exemple majeur, et d'ailleurs je l'ai découvert en lisant ce livre, que pendant la troisième guerre anglo-ashanti, donc entre les Anglais et les Ashanti du Ghana, j'ai découvert que du côté des Anglais se battaient des guerriers Haoussa et même des Noirs issus des West Indies, donc des Caraïbes et des Antilles. Et bien la comparaison qu'il fait, il dit que les guerriers Haoussa, étant musulmans, sont plus aptes et plus vifs dans la guerre et dans l'initiative personnelle en comparaison aux Noirs chrétiens comme lui, issus des West Indies. Dans la récente guerre anglo-ashanti, les troupes nègres les plus dignes de confiance étaient les Haoussa, qui sont des mahométans rigides. Les troupes chrétiennes de l'Inde occidentale n'étaient pas comptées dans la même mesure. Et ils justifient cela par le fait que les Noirs chrétiens ont été embarqués dans le christianisme par le truchement de l'esclavage et plus tard de la colonisation. Cela ayant conduit au développement de toute une littérature chrétienne qui avait tendance à dégrader le noir, contrairement aux musulmans qui a appris de manière égalitaire l'arabe et la religion musulmane auprès donc des commerçants arabes et des missionnaires arabes, d'après lui. Cependant, ce qui est très étonnant, c'est qu'il évoque très peu l'esclavage arabo-musulman. En tout cas, pas dans les premiers chapitres de l'ouvrage. Alors, dans le deuxième chapitre, il parle du christianisme en général. Et il rappelle qu'il est un chrétien fervent. Il y a, nous n'en doutons pas, un et un seul prophète pour tous les temps et pour toutes les nations, le Fils immaculé de Dieu. Et les enseignements qu'il a inculqués contiennent les seuls principes qui vont régénérer l'humanité de toutes les races, de tous les climats et de tous les pays. Et il distingue le dogme, ou plutôt les évangiles, des actes des hommes.
il distingue l'histoire, l'esclavage, de la manière dont les écrits ont été utilisés par les missionnaires chrétiens ou par les Européens en général pour valider l'esclavage. Il a rapidement évoqué Las Casas et la controverse de Valladolid qui a permis de valider le fait d'aller chercher des Noirs en Afrique pour venir remplacer les Amérindiens sur place qui ne tenaient pas très longtemps sur les exploitations. Wilmot Blidden explique donc comment la littérature chrétienne des deux derniers siècles a été une littérature qui a méprisé les Noirs, qui a dégradé les Noirs. Et il explique notamment les processus d'aliénation qui étaient mis en place aux États-Unis. Il décrit donc différents processus qui étaient mis en place. Par exemple, les Noirs chrétiens n'avaient pas accès à la Bible. Et donc, on les racontait tout et n'importe quoi sur le contenu de la Bible. Des théologiens chrétiens de toutes les nuances d'opinion dans le Sud enseignaient leur doctrine et l'incarnaient dans des livres préparés spécialement pour l'instruction des esclaves. Leur instruction était orale car ils n'étaient pas autorisés à apprendre à lire. Des leçons qu'il reçoit chaque jour, le nègre s'imprègne inconsciemment de la conviction que, pour être un grand homme, il doit être comme l'homme blanc. Il n'est pas élevé pour être le compagnon, l'égal, le camarade de l'homme blanc, mais son imitateur, son singe, son parasite. Être lui-même dans un pays où tout le ridiculise, c'est n'être rien. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Les colons esclavagistes européens étaient donc mis à un certain piédestal, et Wilmot Blidden explique que dans une telle société, la norme, le standard, le niveau à atteindre pour être considéré comme un homme, était donc de ressembler aux blancs, de devenir comme un blanc. Et de là est né tout un tas de processus d'aliénation liés effectivement au christianisme et la manière dont elle a été, dont elle a servi. Les colons esclavagistes ont donc énormément utilisé le christianisme pour valider un peu en quelque sorte l'esclavage et ont également utilisé le christianisme pour aliéner les Noirs chrétiens parce que certains n'avaient plus accès à leur culture d'origine, donc de nombreux devenaient chrétiens. Il y avait donc tout un processus d'éducation et d'aliénation où on montait clairement sur le contenu de la Bible puisqu'on ne donnait pas la Bible noire et il y avait donc tout un discours très inégalitaire qui a cristallisé énormément de haine et de ressentiment de blancs envers les noirs, mais aussi de noirs qui prenaient conscience des choses envers les blancs. Et tout cela est probablement le ferment de cette société très violente et cette société de ségrégation raciale que les États-Unis ont connue et dont on observe encore plusieurs séquelles aujourd'hui. Alors dans le chapitre 3, Blidden commence véritablement à développer l'objet principal du livre, la thèse centrale de son livre. Vous allez comprendre très vite. Un autre sujet traité dans ce livre est le rôle important dans le développement de l'Afrique que peut jouer le peuplement de nègres civilisés et chrétiens issus de l'hémisphère occidental. Il est désormais universellement admis que l'acclimatation des Européens en Afrique tropicale est impossible. Aucun Européen ne pourra jamais vivre au Soudan ou au Congo et travailler comme fermier, mécanicien ou ouvrier. Mais sans l'exemple de communautés engagées régulièrement dans de tels emplois, la tâche de civiliser les autochtones en grand nombre est sans espoir. La République du Libéria présente un exemple de succès, au moins comparatif, qui accompagne les efforts des Africains civilisés, vivant et travaillant en communauté organisée avec leurs fermes, ateliers, magasins, écoles et églises. Il explique que depuis la fin du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle principalement, toutes les missions chrétiennes qui ont été menées en Afrique depuis les années fin 1600, début 1700 jusqu'au début des années 1800, toutes les missions chrétiennes en Afrique menées par des missionnaires européens ont échoué. Et il explique cela par tout un tas de raisons, dont deux raisons principales. Première raison, des raisons d'adaptation à l'environnement, des raisons climatiques, entre guillemets. Maintenant, pourquoi est-ce que l'évangélisation des tribus d'Afrique de l'Ouest, après tant d'années d'efforts et un si vaste sacrifice de vie et d'argent, est si arriérée? La première cause, et la plus généralement admise, est l'insalubrité du climat. Et cette cause, promettons-nous, affecte de manière préjudiciable tous les progrès et la croissance en Afrique de l'Ouest, dans une bien plus grande mesure qu'on ne le suppose généralement. Personne n'entreprendra de contester à ce jour que le caractère moral et intellectuel d'un peuple dépend très largement de son environnement physique. Dans les régions élevées de l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, où il n'y a pas de forêts vierges denses, de vastes marécages et de jungles pestilentielles, le bétail et les chevaux ne présentent aucun signe d'affection. Les gens s'épanouissent en troupeaux innombrables, et dans ces régions, les hommes sont en bonne santé, vigoureux et intelligents. Les tribus de l'intérieur, qui, de temps à autre, ont migré vers la côte, ont péri ou ont dégénéré. Alors il fait toute une thèse d'adaptation à un climat africain sur les côtes qui serait très dense, très humide et
assez malsain pour un certain type de personnes, dont les Européens. Et ces environnements seraient donc des environnements où vivent les tribus natives, et ce seraient des environnements où il fait extrêmement chaud, où il y a énormément d'humidité, il y a énormément de moustiques et donc de malaria. Et donc les Européens n'ont pas pu s'implanter dans ces régions, et ce sont les régions où principalement vivent toutes ces tribus païennes, ces paganes natives, comme ils les appellent. La deuxième raison est la propension au discours raciste et supérieur des Européens, qui méprisaient à peu près tout des cultures africaines, les traditions, les dogmes, la manière de voir les choses, etc. Alors que Blidden, il considère qu'il y a des choses positives à prendre chez les natifs païens, et il y a des choses dont il faut se débarrasser. Donc, découlant principalement de ces deux thèses, Blidden aboutit donc à l'idée que l'environnement africain, l'Afrique, n'est pas voué à être christianisé et civilisé par des Européens. Et d'ailleurs, il fait le pari que le projet de colonisation ne tiendra pas. Sur ce point, il n'avait pas totalement tort. Il émet donc l'idée principale de son livre, qui est sa thèse principale, que cela relève donc de la mission des nègres chrétiens, Christian Negroes, que cela relève de la mission des noirs chrétiens de civiliser l'Afrique. Et donc, les noirs chrétiens auxquels il appartient bien évidemment, avec le Libéria. Et ce serait donc la mission du Libéria et des noirs chrétiens de civiliser l'Afrique et d'apporter des valeurs chrétiennes, des valeurs nouvelles à l'Afrique. Il propose donc qu'à la place des missionnaires européens, d'après les termes de l'époque, christianiser et civiliser l'Afrique, il propose que ce soit des Africains qui ont ce qu'il appelle l'instinct noir, ou le Negro's Instinct, comme il dit, et ces noirs-là seraient donc plus aptes à apporter la civilisation et à christianiser l'Afrique, contrairement aux Européens. C'est donc un projet quelque part de colonisateur, et une vision qui finalement ne s'éloigne pas trop des Européens, même si ici il s'agit d'une colonisation de Noirs envers des Noirs. Il faut cependant rappeler que, en lisant le livre, il faut le dire, qu'il n'y a pas d'animosité particulière de Blidden envers les tribus natives, envers les natifs de l'Afrique. Il parle d'eux plutôt comme de frères, même s'il évoque dans certains passages effectivement des épisodes de lutte, des épisodes de guerre entre les Libériens et certaines tribus qui ne voulaient pas céder leurs terres par des accords. Bah, il explique que voilà, il y a eu certains passages où il y a eu des guerres, il y a eu des affrontements entre les Libériens et les tribus natives. Pour justifier par exemple certaines pratiques des tribus natives, des païennes, il fait le parallèle entre des présumées pratiques de sacrifice humain dans le royaume du Dahomey par exemple, et il met en parallèle le fait que des ancêtres germains, des ancêtres de Slaves ou de Germains avaient aussi des pratiques similaires. Et d'après lui, de même que la christianisation a permis de civiliser les Français, les Gaulois, les Européens de manière générale, depuis des tribus germaniques barbares vers des chrétiens civilisés, mais de même en Afrique, le christianisme permettrait de civiliser les Africains depuis des croyances païennes vers une civilisation chrétienne. Il martèle cependant l'importance de civiliser et de christianiser sous un paradigme africain néanmoins, contrairement aux Européens qui voulaient balayer tout ce qui était africain, qui ne voyaient que du négatif dans tout ce qui était africain. Il était donc contre une européanisation culturelle des Africains en général, et il pensait que les Africains avaient un modèle propre à proposer, un modèle culturel propre à proposer, qui serait donc né de la jonction entre ce christianisme, cette nouvelle culture chrétienne, et de certains éléments culturels venant de ces tribus païennes. Sur un plan plus pragmatique, il proposait par exemple d'évangéliser dans les langues chrétiennes, au lieu d'évangéliser dans des langues occidentales. Alors, dans le chapitre 4, qui est probablement le plus passionnant des chapitres, Blidden parle de son projet d'éducation, de civilisation par l'éducation. Il parle de son programme d'éducation en Afrique, notamment au Libéria, puisqu'il a déjà commencé à le mettre en place, puisqu'à ce moment, il a déjà été président de l'université du Libéria. Et son programme est magistral. Et d'ailleurs, beaucoup d'autorités publiques en Afrique devraient s'inspirer de ce programme-là, au lieu de toujours aller copier des programmes qui viennent de très loin. Il évoque énormément de points, d'ailleurs, que j'ai noté sur un petit papier que voici. Alors, il évoque la création d'une culture propre. Il dit que l'héritage de la culture européenne, encore présente, n'est que transitoire pour ensuite créer un modèle proprement africain en bout de chaîne. Il parle d'intégrer les natifs, les tribus natives qui sont autour, et même à grande échelle, à l'échelle de l'Afrique. Il parle d'une certaine éthique du travail, la rigueur et une certaine autodétermination individuelle. Il parle d'un certain individualisme lié à une certaine capacité de travail de l'individu qui innove
qui invente des choses, fait de l'agriculture, qui exploite les richesses et les potentiels de son pays. Il faut lire le texte est magnifique. Il a tout un tas de discours épidictiques qui sont très parlants. Les nouvelles colonies, poussant vers les riches vallées et les pentes fertiles de l'intérieur, sont une merveille pour ceux qui, il y a quelques années, voyaient le pays dans son état primitif. Et pour le nouveau venu nègre de ce pays, à la recherche d'un champ pour son énergie et son entreprise, il n'y a pas d'image qui, pour l'inspiration et la grandeur, puisse jamais égaler la vue de ces nouveaux propriétaires fonciers et de ces nouveaux directeurs du travail engagés dans leurs activités absorbantes et rentables. Quand ils voient les villages prospères, les habitants confortables, l'agriculture croissante, le tout encadré et contrôlé par des hommes comme lui qui n'avaient eu que plus de chances de le précéder de quelques années, un sentiment de fierté et de gratification s'empare de lui. Il parle d'intégrer des éléments culturels étrangers cependant. Et d'ailleurs, sa proposition sur ce point ressemble pas mal à celle de Kwame Nkrumah dans Le Conscientisme, qui est un livre dont on parlera la prochaine fois. Il fait clairement la publicité pour le Liberia, il fait la promotion du Liberia. D'ailleurs, il tacle un peu sur les côtés la diaspora américaine, ceux qui n'ont pas décidé, ceux qui ne veulent pas repartir en Afrique. Il les tacle un petit peu. Il propose d'apprendre l'arabe et les principales langues africaines dans le système éducatif. Il propose également de mettre en exergue l'éducation des filles, notamment. Il propose d'étudier la Bible en tant que bon chrétien. Il prêche un certain universalisme. Il rappelle un certain universalisme du christianisme. Et enfin, il distingue, lui clairement dans le livre et tout au long du livre, il distingue le message apporté par les missionnaires chrétiens, européens, des actes barbares des fois qu'on connaît dans l'histoire, et de toutes les validations amorales qui ont été émises par l'Église et qui ont permis des horreurs. Dans le chapitre 5, il rappelle un peu l'origine et le but de la colonisation en Afrique. Alors, il rappelle comment a débuté les processus de colonisation en Europe, notamment avec la création de différentes agences d'exploration à partir des années 1850, des années 1860, 1870. Donc il commence à y avoir plein d'agences d'exploration qui se développent partout, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, etc. Et ces agences d'exploration avaient donc pour but d'aller explorer l'Afrique, qui était alors à ce moment-là pour eux une terre méconnue. Et donc Blidden explique comment la mise en place de ces agences, de ces structures, ont précédé le début de la colonisation à proprement parler. Cependant, il y a quelques ambiguïtés. Par exemple, on a l'impression que Blidden y croit au discours philanthropique de la colonisation. Que le but de la colonisation, c'était d'apporter la civilisation, d'abolir le barbarisme, des croyances et certaines croyances négatives. Sortir donc les Africains de certains esclavagismes domestiques et de certaines croyances qui empêchaient donc l'Afrique de se développer. Et cependant, il n'est pas dupe sur la question économique. Il sait très bien que le but de la colonisation était surtout pour des raisons économiques, et il évoque clairement le but de la colonisation comme stratégie pour trouver des nouveaux débouchés et donc pour pallier quelque part à une certaine baisse tendancielle du taux de profit dans les sociétés où l'Europe écoulait déjà ses produits. Alors, il rappelle que l'American Colonization Society, qui a construit le Liberia et par lequel il est arrivé en Afrique, il rappelle que cette association-là est à l'origine de l'abolition de l'esclavage dans plusieurs localités en Afrique de l'Ouest, notamment sur les côtes, et donc l'abolition de l'esclavage, aussi bien le commerce d'esclaves sur certaines côtes qu'un certain esclavagisme domestique qu'on trouvait en Afrique. Il rappelle également l'importance d'intégrer les tribus, les différentes tribus dans le système éducatif. Et l'un des passages les plus intéressants, il propose un modèle économique pour le Liberia. Il propose donc une sorte de république agricole non industrialisée qui importerait des manufactures et des produits industrialisés avec un modèle de petite ville à l'opposé des grandes villes, des grandes métropoles urbaine comme on le trouve aux États-Unis à cette époque déjà, en France, etc., Paris, New York, etc. Il propose un autre modèle, une république agricole avec des petites villes. Cette vision-là de petites villes semi-urbaines, on retrouve aussi cette idée dans le livre Afrotopia de Félouin Sarr, qu'on verra prochainement dans les futurs conseils de lecture. Et donc, il propose cette idée de république agricole avec des petites villes et par contre, une certaine dépendance aux manufactures étrangères puisqu'il n'y a pas d'industrialisation propre. Il ne propose pas un modèle industriel propre où effectivement le Liberia fabriquerait tout ce dont il a besoin. Il évoque la mise en place de lois civilisées, la construction d'un État qui, du moins sur le plan de la forme et sur le plan juridique, se rapproche beaucoup déjà des États-nations européens.
tels que à cette époque et tels qu'on les connaîtra plus tard. Mais par contre, il tient beaucoup à une certaine identité africaine qui serait repensée sur la base des différents héritages qu'avait l'Afrique à cette époque. Dans le sixième chapitre, Blidden évoque plusieurs points, parmi lesquels le rôle central, d'après lui, que les Africains ont joué tout au long de l'histoire en général. Il rappelle par exemple que pour le développement des États-Unis, qui était à l'origine une sorte de république agricole, les Noirs ont joué un rôle majeur, bien évidemment, parce qu'ils étaient les esclaves et que c'est eux qui faisaient tout le travail agricole. Il fait une rétrospective historique et il repart jusqu'aux Grecs anciens pour rappeler le rôle que l'Afrique a toujours joué, chez les Grecs notamment, qui depuis Hérodote évoquait déjà les Africains comme des êtres savants et des êtres de culture. Toutes ces thèses, vous avez compris, on les retrouvera plus tard chez Charenta Diop. Il évoque également le rôle que l'Afrique a toujours joué, même dans l'Ancien Testament, puisque chaque fois que les Juifs ont été persécutés, ou certains passages dans le Nouveau Testament, souvent les peuples sémites ou les peuples sémitiques sont partis se réfugier en Afrique pour fuir certaines persécutions. Il rappelle donc que l'Afrique a toujours eu un rôle central dans l'histoire de l'humanité et que ce rôle est à remettre à l'ordre du jour. Un point très important, c'est que en lisant Blidden, on comprend très bien que pour lui, il distingue clairement les natifs, les noirs natifs, les tribus natives, ou les noirs musulmans d'Afrique, et les noirs chrétiens, qui à cette époque, majoritairement, c'est des noirs du Liberia, qui viennent des West Indies, des Antilles et des Caraïbes. Il fait clairement cette distinction-là, et il appelle donc à l'unité de tous ces noirs, il y a des très très belles phrases où il appelle effectivement à une certaine unité de tous ces noirs, une certaine intégration, dans une vision commune, mais surtout, dans son discours, il y a quelque chose qui devrait nous intéresser. C'est qu'il développe toute une phraséologie et tout un concept d'essentialisation de l'Afrique. On a l'impression finalement que l'Afrique est un pays et que tous les afro-descendants noirs de la diaspora, tels que lui, qui viendraient d'Amérique, et d'ailleurs il les appelle à revenir en Afrique, devraient se sentir comme chez eux partout. Toute l'Afrique serait donc un pays où tout noir venant de l'étranger, de la diaspora, se sentirait comme chez lui. Le nègre exilé a donc une maison en Afrique. L'Afrique est à lui, s'il le veut. Il peut l'ignorer, il peut considérer qu'il est dépouillé de tout droit sur celle-ci, mais cela ne modifiera pas ses relations avec ce pays, ni ne portera atteinte à l'intégrité de son titre. Il se contentera peut-être de lutter contre les difficultés effrayantes de ce pays, mais il est propriétaire d'un vaste domaine. Il a droit à tout un continent, par sa constitution et ses antécédents. Cependant, là où ce discours est un peu ambigu, c'est que on remarque que sur le terrain, il y a des affrontements. Il y a des tribus qui ne veulent pas céder leur territoire et qui ne considèrent pas du tout que les Noirs de la diaspora, que les Afro-Américains chrétiens, sont des citoyens d'un continent qui s'appelle l'Afrique et qu'ils ont des droits sur le territoire de ces tribus-là. Il y a sur le terrain des luttes, et pour agrandir les différentes régions du Liberia, soit il y a eu des guerres, soit il y a eu des achats. On allait acheter des terrains, on allait acheter des grandes propriétés foncières pour étendre le terrain auprès de chefs traditionnels. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'empêche que dans le discours de Blidden, on a l'impression quand même qu'il identifie toute l'Afrique à un seul pays, et ce serait donc le destin des Noirs de rentrer de ce pays-là pour le construire, ce qui est une chose tout à fait louable. Cependant, on a l'impression qu'il ne tient pas compte de la réalité. Il sait très bien qu'il y a des Noirs sur place, des Noirs natifs, qui considèrent que chez eux, c'est à l'échelle de leur territoire qu'ils protègent ou qu'ils vendent, suivant les personnes en face. Mais cependant, il considère quand même que l'Afrique est malgré tout un continent et il essentialise l'Afrique. À mon avis, là, on commence à comprendre l'origine de l'essentialisation de l'Afrique, parce que tout le monde essentialise l'Afrique. Que ce soit les Africains eux-mêmes, qui considèrent l'Afrique comme un bloc unique, ou les Européens, qui, quand ils parlent d'histoire, ils parlent d'histoire de l'Afrique. Cette idée d'essentialisation de l'Afrique, on voit déjà les germes d'où ça vient. Nous sommes en 1887, et il commence déjà à voir cette essentialisation de l'Afrique qui va à l'encontre de la réalité. Si vous vous souvenez bien, dans l'une des chroniques précédentes, j'ai évoqué les biais analytiques qui seraient à l'origine du panafricanisme révolutionnaire en Afrique. Ici, concrètement, en remontant des dizaines d'années en arrière, on commence déjà à voir cette idée qui se met en place. L'idée qu'il y aurait un peuple qui s'appellerait les Noirs et que l'Afrique appartiendrait à ces peuples, en dépit de toutes les nations ethniques et des tribus qui vivent sur place. Ce point est un point clé que nous allons voir plus tard dans les différentes vidéos et qui va emmener tout un développement de raisonnement
ne vont conduire l'Afrique que de contradiction en contradiction. En fait, cela est lié au fait que l'esclavage même en lui-même a créé une nouvelle identité. L'esclavage a créé l'individu noir. Avant l'esclavage, les différentes tribus ne s'identifiaient pas comme noirs. Ils s'identifiaient comme appartenant à des tribus ou des ethnies ou même des nations. Et c'est le fait de les avoir déportés et emmenés sur un autre continent et les avoir déportés sous le prétexte qu'ils étaient noirs et les avoir exploités sous ce prétexte-là qui a créé l'identité noire. Donc le retour des Afro-Américains vers l'Afrique est la projection d'une vision qui n'existe pas en Afrique, la vision suivant laquelle il y a un peuple noir qui aurait vocation à s'installer en Afrique partout, alors que la réalité africaine, elle était différente avec des tribus, des nations ethniques, des nations tribales, qui avaient un territoire propre et qui ne s'identifiaient pas comme noirs. Dans le chapitre 7, donc, Wilmot Blyden continue à faire l'apologie du retour vers l'Afrique, l'apologie du Back to Africa. Il fait la pub, en quelque sorte, pour un retour en Afrique pour la construction d'un État civilisé noir et chrétien. Et donc, il porte ce message-là. Et également, il évoque plein d'autres choses. Le livre est très riche, parce que dans les années 1880-1887, il y a énormément de choses qui se passent. Il évoque la nécessité pour les Noirs qui sont restés aux États-Unis de rentrer en Afrique pour se sentir chez eux, contrairement aux États-Unis où finalement régnait une très très grande ségrégation. Et donc il énumère l'importance d'avoir une conscience raciale, conscience qui se manifeste pleinement en Afrique, où l'homme africain peut s'exprimer librement dans tous les domaines et construire la civilisation de son choix. Alors, juste un dernier élément, parce qu'il y a énormément de choses qui sont évoquées, d'ailleurs je vous conseille d'acheter le livre et de le lire, vous apprendrez énormément de choses. Mais il y a un point qui m'a marqué, qui est un point où, qui est une digression un peu de l'auteur, qui, en voulant parler des possibilités de faire du business entre le Liberia et les États-Unis, il évoque le besoin de consommation de produits manufacturés très important qu'on trouvait chez les Ashanti et chez dans le royaume du Dahomey. Et donc, il décrit un système où effectivement les Ashanti et les Dahoméens achetaient des produits manufacturés européens, principalement, ou occidentaux, et produisaient déjà à l'époque des matières premières brutes pour l'exportation. Il y a beaucoup d'économistes modernes, des économistes d'aujourd'hui, qui nous font croire que finalement, ce système économique est un système qui a été mis en place par la colonisation, à proprement parler. Ils disent que ce système économique est un héritage de la colonisation, mais là, nous avons quand même un témoignage des années 1887. 1887, on est vraiment au début de la colonisation, qui a commencé dans les années 1850. Donc on n'est pas encore au XXe siècle, par exemple. Mais il y a déjà ce système. Et moi, j'ai l'impression que ce système est beaucoup plus ancien que ça. Et beaucoup d'économistes, malheureusement, le font soit exprès ou bien ils sont malhonnêtes, veulent faire croire que finalement, le système qu'on trouve aujourd'hui de production de matières premières brutes pour exporter et d'achat de manufactures au niveau des royaumes africains, c'était quelque chose qui est né avec la colonisation, alors que ce n'est pas le cas. Alors que c'est un système qui semble, d'après l'auteur de ce livre, qu'il a évoqué comme ça au passage, donc pour lui c'était évident, il semble que ce système ait préexisté à la colonisation et donc que le système aujourd'hui, le système économique qu'on a aujourd'hui, ne soit pas une conséquence directe de la colonisation, mais c'est plutôt un système qui préexistait déjà à l'existence de la colonisation. Je lance donc cette information pour ceux qui croient en cette théorie des économistes. Et notamment, je me rappelle, il y avait une vidéo de Lionel Zinsou où il évoquait ça, où il disait que le système actuel est un héritage direct de la colonisation. Mais dans les faits, voilà, on tombe souvent sur des témoignages comme ça où effectivement on peut se poser des questions. Voilà, donc l'ouvrage est très intéressant. Je vous ai fait un résumé rapide d'un ouvrage très dense des 7 premiers chapitres. Il reste 8 autres chapitres, une partie 2 pour le conseil de lecture de cet ouvrage. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, en tout cas, en lisant ce livre, je me suis régalé, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de me replonger dans l'histoire, de repartir des années 1880, des années 1850, 1860, qui sont quand même une période phare, une période de début de la colonisation pour bien comprendre ce qui se passait. Avec effectivement un auteur, un intellectuel noir de cette époque qui décrit ce qui se passe dans la sous-région, qui décrit ce qui se passe dans le monde et à l'échelle de l'Afrique. Et donc je vous conseille vivement de lire cet ouvrage pour avoir une vision objective sur les choses
et ne plus vous laisser embrigader par des gens qui vous font croire des choses alors que finalement ils ne disent pas la réalité sur la pensée de l'auteur. Et la pensée de l'auteur est plus nuancée et plus intéressante que ce qu'on voit aujourd'hui chez certains chroniqueurs, chez certains auteurs qui ont par exemple parlé de ce livre dans les réseaux. Donc merci d'avoir suivi ce conseil de lecture, merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir, laissez des pouces bleus, laissez des commentaires. Si vous voulez une suite pour le conseil de lecture, n'hésitez pas aussi à le dire, je vais travailler dessus. Je pense que pour le prochain conseil de lecture, en parallèle de la deuxième partie de ce livre, nous allons probablement parler du conscientisme de Kwame Nkrumah. Réellement, nous allons voir la pensée de Kwame Nkrumah et tous ces éléments vont nous permettre de construire un puzzle qui vont répondre à la question que j'ai posée dans la chronique précédente à propos de l'Afrique fédérale. Nous allons donc investiguer dans les arguments de Kwame Nkrumah, plus tard de Charonta Diop. Nous allons partir du côté de Stanislas Peroa de Devi, du côté des chantres de la négritude, pour comprendre finalement pourquoi le panafricanisme est une idéologie qui a échoué en Afrique et qu'est-ce que finalement il faudra faire aujourd'hui de manière pragmatique pour se rapprocher de cet idéal qui est une solution majeure pour inscrire l'Afrique dans un monde de blocs continentaux, où finalement les petits pays n'ont pas vocation à réussir à long terme. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour un futur conseil de lecture. Salut.